va maintenant. Ah, tu es enfin prête? Ouais. Elle te va bien, cette tenue? Tu vas pas te changer? Pourquoi, ça te gêne? C'est pas sale, tu sais. La terre, c'est naturel. Ouh. Ah, elle est toute crado, ta maman. Aussi. Ça brille, hein? Maman, on a de la visite. Ah, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Lisbeth, enchantée. Je suis vraiment ravie qu'on ait organisé ça. Elle n'a pas arrêté une seconde de faire la tête depuis notre déménagement. Ah, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les filles sont impatientes de faire sa connaissance. Une nouvelle dans leur classe, vous vous rendez compte? Les nouveaux arrivants dans le coin, c'est assez exceptionnel. Enfin, on verra. Molly? Nous ne sommes pas encore tout à fait installés. Le gros de nos affaires n'arrivera qu'avec Tom. Je vois. Quand est-ce qu'il vient? Dans 4 semaines. Il doit aller au bout de son préavis. Bonjour. Bonjour. Lisbeth. Molly. Et ma fille. Bienvenue. Salut. Moi, c'est Molly. Ida. Tu pourrais présenter Ida aux filles et lui faire faire un petit tour de la propriété? Oui, c'est une bonne idée. Oui, bien sûr. Tu viens? C'est chouette. Oui. Voilà Ida, Béa, et elle, c'est Anne. Salut. Salut. On vient juste de monter. Et donc... maintenant, faut qu'on pense les chevaux. Tu veux le faire? Tu montes à cheval? Non. Mais t'en as déjà fait au moins? Je suis jamais montée à cheval. Jamais montée à cheval? Oh, peut-être une fois, quand j'étais gamine. Un tour de poney au zoo. J'ai commencé assez tard, tu sais. Je monte depuis 3 ans seulement. Ça te dirait qu'on t'apprenne? Ouais, peut-être. Elle est pas dangereuse. Elle a juste besoin d'affection. Hein, j'ai pas raison, ma toute belle. Et ton hobby, c'est quoi? Internet. J'ai un blog. Ah ouais, moi aussi. C'est un blog de quoi? De mode. Ça fait combien de temps que t'es ici? 1 semaine. Ma mère veut faire pousser des pommes de terre bio. Faut que je réponde. Allô? Salut Ida. Un sacré numéro. Elle est complètement... Elle a surtout l'air de pas être à l'aise. Pas à l'aise? Ouais, c'est pas étonnant, elle connaît personne ici. On fait quoi? On lui propose de monter? Demande-lui plutôt si elle veut jouer à la coiffeuse. Ça ne pourra que lui plaire.
Ouais, ben laisse tomber. Je peux te dire qu'elle n'en verra pas la couleur. Vu le coup qu'elle a fait à Tara, je la trouve hyper gonflée de me demander ça. Et surtout pas très maligne. Non mais qu'est-ce qu'elle s'imagine? Ok, c'est une super idée, mais bon, moi je suis pas une banque. Il faut qu'elle arrête de prendre ses désirs pour des réalités. Ida, toujours là? Ida? Tu disais? T'as rien écouté en fait, t'es chez toi là? Non, je suis dans un club équestre. Ah bon? Pour quoi faire? Pour rencontrer des jeunes. Des bonnes campagnardes qui sont plus crottins. Ouais, c'est ça. Tout juste. Mes futures meilleures amies. Tu les verrais, elles ont l'air complètement attardées. Et elles sont tellement crades aussi. Ça me dégoûte. Il faut que je te laisse maintenant. Ouais, salut. Ça te plairait qu'on t'apprenne à monter à cheval? Comme t'en as jamais fait. Remarque, ce serait pas malin. Tu risques de salir tes beaux vêtements. On va nettoyer les boxes. Comme ça, je te montre le raccourci à travers les bois. C'est tout toi, Ida. Tu vois toujours tout en noir. Crois-moi, elle me déteste déjà. Oui, c'est pas étonnant. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien. Voilà, exactement. Oh, quelle idiote. Ida, écoute, regarde-moi. T'as pas besoin d'elle, Ida. Je suis là, moi. Allez, viens nous rejoindre, s'il te plaît. C'est plus pareil sans toi. Et à tout. Hé, venez dire bonjour à Ida. Salut Ida, tu es nouveau. Hé Ida, je fais une fête demain chez moi, tu viens? Hé, prends-moi ça toi, viens. Ses parents sont pas là, tu sais ce que ça veut dire? Arrête, n'en dis pas plus, c'est une torture. Ah, écoute, la batterie est presque à plat. Je t'en supplie Ida, demande au moins à ta mère, ça coûte rien. Elle voudra jamais, tu rêves. Alors enfuis-toi. En deux. Et ce que je voudrais aussi, c'est un genre de loquet qui se manipule. Ah oui, encore une chose. Un portail à bout de vacances.
C'est si drôle que ça. Non, mon portable. Oh mince. Il est taré ce cheval. Regarde-moi ça. Si mon portable est fichu, je peux te dire que ça va te coûter cher. T'es tombé dans le ruisseau et c'est la faute du cheval peut-être. Tombé dans le ruisseau. Je te signale que ce cheval a failli me tuer. Il m'a littéralement foncé dessus. Il est dangereux, faut faire quelque chose. Il n'est pas dangereux, seulement il est un peu sauvage. Faut le surveiller, sinon il va tuer quelqu'un. Ce sera pas nécessaire. Il va bientôt être abattu, alors il y a peu de chances qu'il croise encore ton chemin. Va-t'en. Rentre chez toi. Il est à toi, ce cheval? Non. Enfin, oui et non. On m'a demandé de m'en occuper et de l'empêcher de s'enfuir. Fais attention, Ida! J'en reviens pas. De quoi? Qu'il soit allé te chercher. Il n'aime personne. C'est vrai? C'est dommage que ce soit justement toi qui l'a choisi. Puisque tu aimerais tellement qu'on la batte. Allez, viens, mon grand. Ça lui arrive de fuguer vers chez vous. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Au contraire. On adore les chevaux. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Ida? Jonas organise une fête. Et tu avais décidé d'y aller. Tu comptais faire du stop ou quoi? 900 kilomètres, bon sang. Je vais devenir folle si je reste ici. Il y a des petits lapins sur mon papier peint. Colargol est un petit ours. Et si tu trouves ta chambre si laide, tu n'as qu'à faire un effort pour la ranger et la décorer. Thank you.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui arrivera à Kaylan après ma mort. Depuis 20 ans maintenant, c'est mon meilleur ami. Mon ami fidèle. L'idée qu'il se retrouvera tout seul après mon départ est trop douloureuse à envisager. Pardon pour hier. Ida, tu m'inquiètes. Est-ce que je dois encore m'attendre à ce que tu fugues à la moindre occasion? Non, je le ferai plus, juré. C'est vrai, je te le jure. Le cheval qui est venu hier, tu sais quoi? Il habitait ici avant. Hier, j'ai trouvé un carton avec des photos et plein de trucs personnels. Qui appartenait à Anna, la femme qui habitait ici avant nous. Ah, mais je comprends mieux maintenant. Hein? Tu parles de quoi? Regarde. Allez. Oh, c'est lourd! Attention, n'abîme pas tes ongles. Tu as bien dit qu'il allait être abattu. Ouais. Je comprends pas comment ça se fait. Ça t'intéresse pas vraiment? Si. Je pensais pas à ce que j'ai dit. Kaylan s'enfuit à la moindre occasion. Et donc... on ne peut pas le monter comme les autres chevaux. D'accord. On ne peut pas le garder, il nous coûte beaucoup trop cher à entretenir. Donc il sera sûrement abattu. Mais vous pourriez aussi le vendre. Qui voudrait d'un cheval qui passe son temps à fuguer? En plus, il est difficile, il ne se laisse monter par personne. Je peux apprendre à le monter. Non, toi? Ouais, je pourrais le dresser. Oh. Il faut s'entraîner des années avant de savoir bien monter. Et t'as pas l'air d'être faite pour ça. Baisse les talons.
Salut, toi. Allez, on essaie. On va y arriver. Je te fais confiance. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, faut le sceller correctement pour éviter une chute. Et puis surtout, on ne monte pas à l'intérieur de l'écurie. Je voulais pas le monter, juste apprendre à m'asseoir. Et si jamais il avait paniqué et t'avait fait tomber? Ce serait pas arrivé. Tu le sais, en tant que grande spécialiste, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaux. La croupe, la crinière, le sabot, la châtaigne, la selle, la sangle, l'étrier et la bride. Impressionnant. Mais tu ne sais pas monter. Merci, je suis au courant. Attends, je vais le faire. Tu veux apprendre, rendez-vous demain matin à 6h30. Merci. Tu vas bien? Salut. Salut. Je vais nettoyer l'écurie, je voulais d'abord venir voir Kaylan. T'inquiète, on va le faire ensemble. Non, il n'y a pas de problème, je le ferai seule. Si, il y a un problème. Tu viens de monter en grade. Il faut que tu resserres la sangle d'un cran une fois que t'es dessus. Parce que... quand tu selles le cheval, il inspire et donc il gonfle le ventre. Faut toujours y penser. D'accord. Et maintenant, monte. D'accord. Bien. Tu te sens à l'aise? Essaie d'aller au pas maintenant. Oh.
Raccourcis un peu les rênes. Tiens-les plus en avant. Voilà. Très bien. Maintenant, serre tes talons contre ses flancs. Ça le fera marcher plus vite. Tes coudes, ils sont trop écartés. Ramène-les. Voilà. Tu te débrouilles pas mal, tu sais. C'est très bien. Alors, je suis privée de nourriture, moi. Tu aimerais peut-être te laver les mains d'abord? Oh là là, quelle horreur. Tu es sérieuse? Non, c'est juste un peu de terre. C'est naturel, c'est pas sale. Est-ce que je peux prendre un peu d'argent de mon anniversaire? C'est le cheval, le souci, pas l'argent, et tu le sais. Il a un nom, ce cheval. Oui, 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 Kaylan. Un animal qui est tellement sauvage qu'il ne peut pas servir pour les cours d'équitation. Désolée, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour une débutante. Mais non, il n'est pas sauvage. Il se sauve de temps en temps, mais il n'est pas dangereux. Ce serait plus simple si tu réclamais un poney. Tu vois pas qu'il est nostalgique. C'est complètement idiot de vouloir attribuer des sentiments humains aux animaux. Les chevaux sont dangereux. Si ça te dérange que je me sois mise à l'équitation, je peux me remettre à bloguer. Ça te conviendrait? Tu es vraiment redoutable quand tu t'y mets mon trésor. Non. C'est très bien, Béa. Mais détends-toi. Poignée souple mais ferme. Descends ta main, tu lui tires sur la bouche. T'es encore trop crispée. Allez, les coudes bien le long du corps. Descends les épaules. C'est bien. Très bien, les filles. Ça va, Ida? Oui. Bon, on continue le travail sur les voltes. Suivez Béa. Ida, prépare-toi à faire une volte. Volte. C'est bien. Très bien. Pas mal du tout, Ida. Ouais, Molly, c'est ça. Allez, on garde le rythme. Restez bien sur la piste. Je pensais vraiment pas que ça se passerait si bien, que t'apprendrais aussi vite. Merci. Comme ça. Mais en fait, c'est vraiment épuisant. C'est normal, après tout, t'es une débutante. Il te manque encore la technique, c'est tout. Tu sais, on a réfléchi. Réfléchi? Vous avez un cerveau, alors? C'est toi, méchante. Il y a un truc qu'on voudrait te demander. Mais t'as le droit de dire non. Qu'est-ce que c'est? Tu veux faire partie de notre équipe pour le concours des sauts d'obstacles? Hein? Ben oui, les points les plus faibles ne comptent pas de toute façon, alors. C'est encourageant. Oh, mais allez, comme ça tu verras ce que c'est qu'un concours. En plus, t'auras pas la pression. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis partante. Vous pensez que je serai à la hauteur?
Ida, ta mère voudrait que tu rentres à la maison maintenant. D'accord. Et moi, je tenais à te dire que tu avais vraiment très bien monté aujourd'hui. Et que c'est très sérieux, cette proposition de rejoindre l'équipe. Je sais. Il faut juste que tu saches que ça demande énormément de travail. Pas de soucis, ça me convient. Salut. 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 Alors ? Il y a une surprise pour toi. Je peux avoir Kaylan ? Non, Ida, pour la 100 000e fois, la réponse est non. C'est quoi alors ? Quelque chose qui te fera très plaisir. Et qui est, je pense, une vraie surprise. Restez pas un peu. Non, j'en profite pour aller voir ma tante qui habite la région. Ah oui, d'accord. Oui, Ida. Elle est à l'intérieur. Vas-y, entre, fais comme chez toi. Oh, hey, Caro. Oh, Ida. Salut. Oh, tu m'as manqué. Toi aussi, Caro. Oh là, Ida, t'as besoin d'une bonne manucure. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Je voulais te faire la surprise pour essayer de te remonter un peu le moral, te changer les idées. Alors, tu tiens le coup? Ouais, ouais, ça va. Tu es là, j'arrive pas à le croire. Eh oui, je suis là. Avant vous, qui habitait ici? Une femme qui s'appelait Anna et qui était passionnée d'équitation. Non, sans rire. J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Allez! Regarde ça! Señorita, c'est super bon, on dirait presque du jus de fruits. Hein, toi, tu bois de l'alcool? Comme tout le monde, Ida. Mais je ne me saoule pas. C'est trop vulgaire. Alors, tu veux goûter? Non, tu rigoles. Ma mère me crèvera un œil. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ida? Comment ça? T'as changé en quelques jours. Non, j'ai pas changé. T'as rencontré quelqu'un? On pourrait dire ça. Ah oui? Bah allez, raconte. Non, rien d'intéressant. Mais si! Allez, vas-y, dis-moi tout. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ce truc, c'est horrible. Il faut s'offrir pour être belle. Excuse-moi, j'ai eu du mal à me réveiller. Ah, c'est pas grave, je me suis levée tôt de toute façon. Anne et Béa vont arriver, il est bientôt 9h et ma mère donne son cours d'équitation. Molly, il y a un souci. Lequel? J'ai raté l'entraînement ce week-end. Ah bon, et pourquoi? Ben, il faut que je garde les jumeaux. Pendant tout le week-end? T'en es certaine? Ouais, ma mère me l'a demandé, elle compte sur moi, tu vois. Bah alors, amène-les ici, on pourrait se relayer pour les garder.
Ouais, mais ma mère a la trouille des chevaux. Elle sera contre. Elle trouvera ça trop dangereux pour les enfants. Ça peut se comprendre. Mais justement, il faut qu'elle vienne ici pour se rendre compte que c'est sans danger. Peut-être. Et surtout, dis-le-moi, ça te rend dingue. De qui tu parles? Des jumeaux, tiens. Ah oui, ok. Oh, j'en ai assez! Alors là, trop, c'est trop. J'ai trouvé ça sur la stalle de Toussy. Ignore-les, c'est mieux, crois-moi. Tu sais bien qu'elles le font exprès. À ta place, je réagirai pas. Fais comme moi, compte jusqu'à 10. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est Toussy. Ah non, tu vois ça, c'est plutôt un âne, désolée. Ah oui, tiens, moi je ne vois aucune différence. Vu ce que tu connais des chevaux, c'est pas étonnant. Oui, sauf que là, ça demande des connaissances sur les ânes, plutôt. Très drôle. Ha! Ha! Et tu sais, ton père t'a peut-être acheté un poney hors de prix, mais calme-toi, c'est pas ça qui fera de toi une meilleure cavalière pour autant. Oh, ma pauvre, quel triste spectacle. Tu es juste jalouse. Jalouse, elle est bien bonne de toi. Franchement, tu devrais plutôt aller te balader dans la forêt et écouter le chant des oiseaux au lieu de jouer les cavalières d'élite. Ça nous ferait des vacances en plus. Pour qui tu te prends, toi? Calme-toi, Molly, tâche d'agir en adulte. Vous vous croyez supérieure? Vous êtes certaine d'être meilleure cavalière? Oui, ça je n'en doute pas une seconde. La coupe des novices est dans 3 semaines, on verra qui sont les meilleurs. Vous prenez vos petits airs maintenant, mais il va falloir être à la hauteur. C'est pas écrit que vous serez les vainqueurs. Vous pouvez encore abandonner si vous voulez. Ça, c'est hors de question. Moi, je vous le dis, ce sera dur de les battre. C'est sûr. Mais en s'entraînant bien, on aura une chance. Attention, Molly, reste bien en piste. Anne, prépare-toi pour le prochain. Yep, yep. Allez, détendue. Ouais, pas mal, mais reste dans la selle. C'est méchant, je sais, mais je hais ces punaises. Si vous voulez apprendre, regardez! Elles sont trop nulles. Quelle drôle de tête! Une autre. Ok, une autre ensemble. Vas-y, bois un coup et prends-toi en photo. Non. Allez, s'il te plaît, faut un peu se décoincer, Ida. Tiens, vas-y. Là, celle-là, elle est ratée. Attends, j'en fais une autre. Prête? Allez, bois. Elle est super. C'est dur de vivre chez les ploucs, j'imagine. On doit s'ennuyer à mourir, non? Une fête. Non, attends, y a pas de noms qui tiennent, suivons-les. Allez, viens, debout. Je suis sympa ce coup-ci, c'est moi qui pédale. Hey,
Ils sont où, c'est dingue? Ce serait mieux qu'on rentre à la maison, tu crois pas? Ah, regarde, il est beau ce cheval. Viens, on va prendre une photo. Tu veux la prendre? Non. Alors, petit cheval, mais tu es beau, toi. Allez, tiens, goûte. Non, arrête. Vas-y, goûte, c'est bon. T'es folle. Allez, bois. Tu peux pas donner du vin à un cheval. Ida? Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. On fait un petit pique-nique. Tu bois de l'alcool? Moi? Non. Et les jumeaux, tu devais les garder, non? Tu les connais? Alors, Ida, tu nous connais? Oh non, Ida, surtout me dis pas que tu traînes avec les indigènes, c'est la vraie honte, sérieux. Eh oh, qu'est-ce qui te prend, toi? Mais dis donc, c'est qu'elle sait parler, la binocleuse, je suis étonnée, et il me prend que je m'inquiète. Je crains que la solitude ait poussé ma vieille copine Ida à, comment dire, commettre l'erreur de fréquenter des... Des quoi, d'ailleurs? Tu as une idée, toi? On rentre à la maison, ça suffit. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La campagne t'a rendu dingue? Alors c'est ça, tes amis, maintenant? Et toi qui disais qu'ils étaient tous moches, crétins et nuls dans ce trou paumé, tu te sens seule à ce point-là? Tu me déçois beaucoup, tu sais, Ida. On croyait que tu voulais être dans l'équipe, tu t'es moquée de nous. Non, je vous le jure. Oh non, je rêve. Tu es la dernière chance pour Kaylan. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'alcool? Et puis franchement, j'aurais du mal à oublier ce que t'as dit de nous. Alors comme ça, on est tous moches, crétins et nuls? C'est ce que tu penses? Tiens. J'arrive pas à croire qu'elle fasse ça à Kaylan. C'est ça, cassez-vous. Qu'est-ce qu'elles sont cloches? Sérieux, est-ce que tu crois qu'elles ont déjà vu du maquillage? Oh, mais c'est ce que tu disais, elles sont toutes arriérées et sales. Hé, hey, où tu vas? Je suis furieuse. T'as été odieuse. Ce sont mes amis et t'as tout gâché. Oh, ça c'est malhonnête. Je ne fais que répéter ce que tu disais d'elle, je te signale. Et en plus, si c'est tes copines, ça, je te conseille de m'oublier. Tu sais quoi? La vie c'est autre chose que de boire des cocktails ou draguer des garçons. Il y a d'autres choses. Et si tu crois le contraire, alors on n'a plus rien à se dire. Salut. Heureusement que je t'ai, toi. Le voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en dis? Il est vieux, lourd et solide. T'as vu, il coûte quasiment rien. Il serait idéal pour les randonnées. Il y a une chose que j'ai du mal à saisir. Pourquoi est-ce que tu veux ce vieux canasson? Tu as déjà une jument superbe. Oui, mais je cherche un cheval solide pour les promenades. Royal Lady risque de se blesser, je préfère la préserver. Mmh. Ok, sors-le. On va regarder ça de plus près. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le vois bien, j'achète un cheval. D'accord, mais pourquoi t'as choisi Kaylan? Pourquoi pas? Et puis, il faut avouer que grâce à toi, on peut en tirer quelque chose. Kaylan est à moi. Ah bon? J'ignorais que tu l'avais acheté. Je l'ai peut-être pas acheté, mais c'est mon cheval quand même. Ça, c'est pas à toi d'en décider. Je sais, mais tu vois ce que je veux dire. Hé, Toudou, tu veux bien reculer? Allez! Hé oh, Toudou! Tu viens? Oui, papa, j'arrive tout de suite. Maman, je veux Kaylan. Emma veut l'acheter. Elle a demandé à son père.
Ida, écoute, on en a déjà discuté une bonne centaine de fois. Maman, Emma va l'acheter, c'est grave cette fois. J'ai entendu tous tes arguments, mais ce cheval est à moitié fou. Et ça, c'est un fait, et je ne veux pas l'acheter, est-ce que tu comprends? Ça, c'est une légende. Tu crois qu'Emma voudrait acheter une bête complètement cinglée? Elle a peut-être des parents irresponsables, qui sait. En tout cas, je ne l'achèterai pas, fin de la discussion. Mais... Il n'y a pas de mais, je n'achèterai pas ce cheval, un point c'est tout. Mais si... Des nouvelles? Qu'est-ce qu'on décide? On peut pas la garder dans l'équipe après ce qui s'est passé. Moi, je vous l'avais dit qu'elle avait l'air un peu... Je peux pas croire qu'elle se soit moquée de nous pendant tout ce temps. On fait peut-être erreur. Ok, à première vue, elle s'est grillée, mais... Donnons-lui une chance et écoutons ce qu'elle a à nous dire. Salut. N'allez pas croire que je vous espionnais, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Je veux d'abord m'excuser pour ce qui s'est passé hier. C'est ma faute, j'aurais dû parler de vous à Caroline. Les choses auraient été différentes. J'ai passé de bons moments avec vous et j'espère que vous réussirez à gagner cette coupe. Salut. Où est-ce que tu vas? Je rentre. Retrouver ton ami? Non, on est fâchés. Longtemps. Tu comptes abandonner? T'as pensé à Kaylan? C'est Emma qui va l'acheter. Ida? Pourquoi elle veut l'acheter? Pour faire de la randonnée, je crois. N'importe quoi, elle le fera jamais. Peut-être qu'elle a envie d'essayer. Quoi qu'il en soit, le cheval, c'est terminé. Mais il faut que tu continues. Sérieux, il faut montrer ce que t'as réussi à faire avec Kaylan. Et si finalement Emma ne l'achète pas, on sait tout où il finira. Mais... ça veut dire quoi, au juste? Que vous m'acceptez encore? L'important pour le moment, c'est de sauver Kaylan. Et pour ça, il faut que tu l'achètes. Donc il faut convaincre ta mère. Oui. Moi, je veux que tu reviennes dans l'équipe. Je le veux aussi. Malgré le fait que je sois... C'était sous le coup de la colère. Voilà, c'est bien. Bien la position des mains. Très bien, Molly. En distance. Recule la jambe d'aide. Plus vite. On soulève les fesses de la... Allez! Attention, Ida, garde tes distances! Maintenant, ralentissez! Préparez-vous à ralentir! Gardez le mouvement! Allez! Continuez à utiliser vos ailes!
Tire, vas-y, attrape. T'as de la chance d'avoir un cheval. Ouais. Je crois que ma mère n'aurait jamais laissé Kaylan à Emma. Il faut que tu brilles pendant la compétition et je suis sûre que ta mère changera d'avis. C'est super joli. Ouais. Suivante. On fait simplement les cheveux ou on fait d'abord un essai maquillage? Allez, d'accord pour l'essai. Parfait. Waouh, dis donc, t'as de super jolis yeux, toi. Oh, tu devrais pas les cacher derrière tes lunettes. Attends, je vais marquer un peu plus les cils. Alors? La classe. Comme ça, c'est sûr, Gustave va tomber raide. Hey. Attendez, c'est qui, ce Gustave? Rien, c'est rien. C'est le nouveau coup de cœur de Béa. Gustave, ça le fait, non? Tais-toi, tu vas voir. La passion de l'été. On n'a aucune chance, je suis sûre qu'elles vont gagner. Arrête un peu de dire ça, tu nous démoralises. Mais ça crève les yeux, non? Elles sont bien meilleures que nous. Elles ont de meilleurs chevaux, ça je suis d'accord. Mais c'est tout, parce qu'au niveau hippique, on est bien meilleures. Et puis surtout, on n'a rien à perdre. Faudra se concentrer sur l'épreuve de cross-country. Et on les battra, ça j'en suis sûre. Oui, d'accord, mon commandant. C'est ce que je voulais entendre. Ok. Pour l'épreuve d'obstacle, Ida, je te conseille de te lancer en dernier pour convaincre ta mère et montrer à tous ce que toi et Kaylan, vous pouvez faire ensemble, d'accord? Par contre, c'est pas une bonne idée que tu fasses le cross-country. Kaylan est trop craintif pour le cross et il vaut mieux qu'il reste dans la carrière. Bon, c'est tout. Vous verrez, on y arrivera. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Un grand merci à Ellie et l'équipe Kenny pour leur participation. Performance intéressante malgré les 8 pénalités. À présent, je demande à Anne et Lucas de se préparer. Concentre-toi, donne tout. C'est parti. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Vas-y, Anne, c'est la meilleure. Tu peux le faire, allez. Bientôt être à ton tour. C'est Ida, regarde. C'est Ida, elle est là.
Merci à Emma et Royal Lady qui ont fait un parcours sans faute. À présent, je demande à Ida et Kaylan de se présenter sur la ligne de départ. Merci. Tu verras, on va réussir. On fera de notre mieux. Tu as été terrible. C'est grâce à Kaylan, il faut le reconnaître. C'était super. C'est génial, vraiment. Bien, avant de poursuivre avec la compétition de cross, je vous propose de faire un récapitulatif du classement par équipe. Nous avons donc, avec 4 points de pénalité, une équipe qui a pris la tête. Il s'agit de l'équipe BMH. À la seconde place, avec 8 points de pénalité, nous avons l'équipe Emma's Dream Team. J'ai adoré la réaction d'Emma. Elle a fait oh. Oh man, grâce à toi, c'est la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Ma mère a été impressionnée. Espérons que cette fois, ça la convaincra d'acheter Kaylan. Ça, ce serait génial. Bon, les filles, c'est clair. Si on ne fait pas de faux pas au cross, on remportera la victoire. Alors ça y est, t'es prête? Oui. Tu te concentres, hein? Oui. Ça va bien se passer. Bonne chance, Béa. Fais attention à toi. Oui. Salut. Hey, salut. Bon cross. Toussi est un super cheval. Il a tout d'un gagnant. Oui, c'est sûr. La compétition de cross va bientôt commencer et le suspense est à son comble. Je demande donc à Béa et Toussi de se présenter sur la ligne de départ. Bonne chance. Plus tard. Attention.
Attention, je demande à Béa et Toussy de se présenter au plus vite sur la ligne de départ. Bah elle est où? Elle est folle! Qu'est-ce qui lui prend maintenant? Allez, Toussy. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'en sais trop rien. J'allais me rendre sur la ligne et je me suis retrouvée au milieu de la route tout d'un coup. Est-ce que tu te rends compte que tu as tout gâché? C'est pas ce que je voulais, c'est un accident. À cause de toi, on perd des points importants. Est-ce que tu t'en rends compte? Eh, du calme, Molly. Et puis, c'est pas une jument, c'est un âne. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis qu'elle est bornée comme un âne. Alors là, c'est ignoble de t'attaquer à Toussy. Mais c'est pourtant ce que tout le monde dit ici. C'est une bête stupide et lourde, y a rien à en tirer. N'importe quoi, moi je sais que Toussy a un gros potentiel. Elle l'a prouvé et elle le prouvera encore. Alors il est temps que tu apprennes à monter. Et oh, tout le monde sait que je suis bien meilleure que toi. Alors ça c'est trop, tu te couvres de ridicule. Et toi tu prétends être la meilleure. C'est bon, on arrête. Vous croyez qu'on gagnera cette coupe si on se dispute? Ça mène nulle part et c'est trop nul. Est-ce qu'on a une équipe soudée, oui ou non? Et si j'y allais? Non, il n'y a aucune raison. Je veux le faire. Avec Elan, c'est dangereux. Je suis sûre que non. Ida, il vaut mieux oublier. Il peut te désarçonner. Et là, tu sais très bien ce qui va lui arriver. J'ai les moyens de vous faire gagner, j'en suis sûre. Et vous le savez. Nous faire gagner? Tu fais partie de l'équipe, toi aussi. Oui, raison de plus. Il faut que je le tente. Fais attention à toi. Tu vas réussir. Tout ira bien. T'inquiète pas. 4, 3, 2, 1, go! On est avec toi! Ida! Vas-y! Allez! Allez, Ida! Tu arriveras! Allez, Ida! Tout ira bien, c'est une super cavalière. Elle est tombée de cheval. Ça a l'air sérieux. Où as-tu mal? Kaylan n'y est pour rien. Ida, tu aurais pu te tuer. Je savais que c'était de la folie. Où est-ce que tu as mal? Où est Kaylan? Il est à l'arrivée.
Et il a rien? Oh non, écoute, tu t'occuperas du cheval plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aille voir le docteur. On peut aller voir Kaylan? Non, dans ton état, il vaut mieux rentrer tout de suite. Il faut que je le voie, rien qu'un instant. Écoute, Ida, il n'en est pas question, compris? Tu sais quoi? Tu comprends jamais rien. Salut. Salut. Ça va? Tu t'es cassé quelque chose? Ouais, la clavicule. Comment ça s'est terminé? Ben, on n'a pas été classés. Quand on a vu Kaylan revenir tout seul, on a décidé d'abandonner. Il y avait un sac sur le sentier. Il a eu peur, c'est pas sa faute. C'est toi qui aurais dû gagner. Maintenant, il est fichu. Vaut mieux pas y penser. J'ai pas réussi à le sauver. Théo ! Le vétérinaire est là ! Le vétérinaire est là pour prendre Kaylan ! Je t'adore, tu sais. Tu vas me manquer. Désolée, je suis fatiguée, je vais m'allonger. Yeah.
l'aimais, il était tout pour moi. Il en sera toujours ainsi. Je sais, et moi j'ai rien pu faire pour lui. Regarde. Il revient toujours, c'est sa maison ici. C'est bien pour ça qu'il faut lui ouvrir. J'ai vu ce qu'il voulait, j'ai fini par comprendre. Mais... J'aurais dû te le dire quand tu t'es réveillée. J'ai parlé à ta prof d'équitation, de toi et de ce cheval, et en un mot, j'ai pris la décision de te l'offrir. Pour toujours? Il peut rester chez nous, alors? Thank you.